Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les principaux titres de ce journal. Des chiffres encourageants, le nombre de demandeurs d'emploi en baisse sur notre archipel. Les lycéens et collégiens ont terminé leur session de rattrapage organisée après la grève qui est survenue dans l'enseignement. La première brochure des Outre-mer consacrée à la route des rhums, de la canne et du sucre est sortie sur les plateformes. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 7,8% en Guadeloupe en 2019. Un chiffre encourageant puisqu'il s'agit de la plus grosse baisse de France. Pôle emploi compte bien maintenir cette tendance. On fait le point avec Tom Gagnoux. C'est une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 7,8% en Guadeloupe. Il s'agit de la plus forte baisse de France sur l'année 2019. Et pourtant, l'archipel part de loin avec un taux de chômage parmi les plus importants du pays. Ce résultat s'explique par le rapport entre deux grandes variables, le nombre d'entrées et de sorties. En 2019, il y a eu une augmentation des départs, couplée par une diminution du nombre d'inscriptions. Le directeur régional de Pôle emploi se réjouit d'un tel constat, surtout que d'autres données viennent le conforter. Nous avons d'autres chiffres, d'autres données qui sortent des données de Pôle emploi et de notre stock de demandes emploi. Ce sont les données de l'économie guadeloupéenne, les données d'évolution de l'économie guadeloupéenne. En l'occurrence, ce sont celles qui sont indiscutables, factuelles, les déclarations d'embauche. CDI, contrat long, qui sont elles-mêmes depuis un certain temps à la hausse et qui confirment cette tendance de reprise de la demande d'emploi. En l'occurrence, nous surveillons l'ensemble de ces données-là et nous sommes, comme nous le disons, sur une dynamique globale favorable. Reste que, il reste encore beaucoup d'emplois accompagnés vers l'emploi, plus de 50 000, donc ce n'est pas effectivement un satisfait-ci, ce n'est pas effectivement une communication pour dire tout est réglé, c'est pour dire la tendance est bonne. On a enclenché une bonne tendance, on doit la confirmer, on doit l'amplifier dans les prochaines semaines, les prochains mois, tous, acteurs économiques, acteurs politiques, acteurs de l'emploi, et c'est un peu le message que nous souhaitons faire passer. Dans cette dynamique, le directeur a annoncé l'arrivée de nouvelles prestations en 2020. Celles-ci viendront renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi, l'une des cibles prioritaires de Pôle emploi, les jeunes. Nous avons aujourd'hui encore une demande d'emploi qui est importante, mais elle est bien orientée depuis plusieurs années. Et c'est parce qu'au quotidien, de nombreux acteurs travaillent et travaillent efficacement sur le sujet. Nous avons bien sûr nos collègues des missions locales qui travaillent sur le sujet à nos côtés et qui apportent de nombreuses solutions. Nous avons également le RSMA qui travaille historiquement sur la Guadeloupe pour permettre du développement de compétences sur les secteurs qui sont effectivement porteurs, d'autres structures associatives, la Cité des métiers. Donc l'ensemble de ces acteurs contribuent aujourd'hui à une bonne dynamique de la demande d'emploi des jeunes. Et puis tout cela, nous le faisons pour la plupart de ses partenaires avec l'appui des fonds sociaux européens, le FSE, qui nous aide effectivement à développer de nouveaux dispositifs en Guadeloupe. L'orientation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi sont assurés par les conseillers. Ce sont des spécialistes du parcours professionnel. Tout au long de l'année, les agences organisent également des ateliers spécifiques. Ces derniers sont là pour conforter les demandeurs d'emploi dans leur démarche. Aujourd'hui, Leïla anime un atelier sur l'entretien d'embauche en réalité virtuelle. Les mettre en situation, c'est beaucoup plus pratique que de rester sous l'ancien mode qui était juste de la théorie. Voilà. Là, ils sont vraiment en pratique à vraiment faire de la simulation en réel, ce qui s'appelle réalité virtuelle d'ailleurs. Mais oui, aujourd'hui, c'est porteur parce qu'on a déjà eu des expérimentations dans d'autres agences et des retours positifs par rapport aux demandeurs d'emploi. Il reste encore 50 000 chômeurs de catégorie A en Guadeloupe. Pôle emploi met tout en œuvre pour y remédier. Attention, il faut être vigilant concernant ces chiffres. Ça ne veut pas dire que le chômage a fortement diminué pour autant. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a moins de demandeurs d'emploi qu'il y a forcément moins de chômage. Il existe plusieurs variables pour l'analyser. Suite au mouvement de grève qui a impacté le fonctionnement des établissements scolaires, des cours de rattrapage ont été mis en place pour les élèves. Lycées et collèges ont proposé différentes sessions de rattrapage. Le recteur de région académique Mostafa Fourar s'est rendu au collège Nestor de Kermadec afin de rencontrer les équipes qui se sont mobilisées et les élèves qui ont pu bénéficier de ces sessions de travail. Reportage Marius Mathieu. Au collège Nestor de Kermadec ce jeudi matin, les salles de classe sont ouvertes. Ici, comme dans de nombreux établissements, certains élèves ont pu bénéficier de sessions de rattrapage suite au mouvement de grève dans l'éducation.
L'occasion pour le recteur d'académie de saluer l'effort supplémentaire fourni. Je suis venu ici aujourd'hui pour saluer la mobilisation des enseignants et encourager les élèves, parce que c'est sur la base, bien évidemment, du volontariat de la part des élèves. Donc j'ai rencontré des élèves motivés, qui sont conscients du retard. D'ailleurs, ils m'ont parlé des effets de la grève, et particulièrement les élèves qui sont en troisième et qui préparent leur brevet. Dans les lycées, il y a eu également des opérations de préparation aux épreuves communes du contrôle continu. Sur cette opération, les professeurs sont volontaires, mais pas bénévoles. L'Académie Guadeloupe a pu octroyer une enveloppe pour chaque établissement dans le cadre d'un dispositif baptisé « École ouverte ». Nous avons fait appel aux professeurs du RASED, aux professeurs d'école primaire, pour apprendre aux élèves à maîtriser la langue, surtout la lecture, et aux autres professeurs du collège aussi, et d'extérieur pour les troisièmes aussi. En tout cas, les professeurs sont motivés, ils ont sacrifié leurs vacances, et les élèves aussi sont très très motivés, sont contents d'être ici en tout cas. Après le mouvement de grève du mois de janvier, les écoles de Guadeloupe semblent avoir retrouvé une ambiance studieuse. Une récente inspection générale par le ministère de l'Éducation pourrait permettre de redéfinir les dotations octroyées à l'académie. Un cadavre a été trouvé par des touristes sur la trace des pêcheurs, direction la Grande Vigie à Anse-Bertrand. Il s'agirait d'un homme entre 20 et 30 ans. Le cadavre était en décomposition. Il est actuellement en cours d'identification. Les gendarmes penchent sur la piste criminelle vu les impacts de balles qu'il aurait reçus. L'enquête est en cours. La première brochure des Outre-mer consacrée à la route des rhums, de la canne et du sucre est sortie. C'est un voyage à travers la Guadeloupe, son histoire et son patrimoine. En passant par Marie-Galante, Les Saintes, Basse-Terre et Grande-Terre, on vous fait découvrir les distilleries, habitations et sucreries de ces différentes régions. Une belle manière de découvrir l'identité de notre belle Guadeloupe. La brochure est disponible en digital sur le site de la préfecture. À l'approche des jours gras, le préfet nous invite à la prudence et au civisme sur les routes. À cette période de l'année, le trafic se densifie sur l'île. Durant ce week-end, des contrôles ciblés seront mis en place. Ils se poursuivront durant tous les jours gras aux abords des défilés. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Des chiffres encourageants, le taux de chômage en baisse sur notre archipel. Les lycéens et collégiens ont terminé leur session de rattrapage organisée après la grève qui est survenue dans l'enseignement. La première brochure des Outre-mer consacrée à la route des rhums, de la canne et du sucre est sortie sur les plateformes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.